Enregistrement d'un remboursement. Alors ici, on va se connecter au compte précédemment créé. Et puis, on va effectuer un remboursement, notamment sur le prêt de 100 000, l'emprunt de 100 000, pardon, qu'on a effectué. Voilà, je mets le mot de passe. Je me connecte. Là, je suis sur le tableau de bord après connexion. Je constate effectivement que j'ai une dette totale de 101 000 qui correspond à l'emprunt de 100 000 plus les 1 000 francs d'intérêt. Dans mon solde, ne reste que à 50 000. Là, je vais dans le sous-menu mes emprunts et remboursement. J'ai l'emprunt en question qui est déjà sélectionné. Alors ici, pour rembourser, je clique sur le premier bouton vert, donc celui au-dessus du plus, qui va ouvrir la fiche de l'emprunt. Il me dit qu'il n'y a pas de remboursement en cours, donc pas encore effectué. Là, j'ai un récapitulatif de l'emprunt effectué avec la mention non soldée à la fin. Total remboursé 0. Alors ici, je vais dans le volet remboursement. Alors plus bas, je déroule bien plus bas, bien évidemment. J'ai un petit formulaire qui permet de rembourser. Donc dans l'emprunt, je déroule vers le bas. Je vois la référence de la transaction comme d'habitude. Je mets le bordereau, le numéro du bordereau, pardon. Et ici, je mets le montant du remboursement que je souhaite effectuer. J'ai précisé dans l'emprunt que j'allais donner 5 000 par traite. Mais ici, j'ai eu un peu de sous, donc je peux donner par exemple 15 000. Et quand c'est fait, je clique sur rembourser. Voulez-vous enregistrer ce remboursement? Oui. Alors, c'est effectué. Je peux rentrer dans la gestion de mes remboursements. Si je fais une actualisation, je viens dans la fiche. Je vais constater effectivement qu'il y a un remboursement de 15 000, mais non valide, qui va faire falloir valider. Merci. Donc, la prochaine vidéo, c'est pour la validation.